Alors, bienvenue dans la présentation de cette poubelle qui donc se déclenche lorsqu'elle est allumée quand on passe la main devant. Voilà, ça marche pas. Et elle va également se fermer toute seule au bout de quelques instants. On peut aussi le déclencher de façon manuelle en touchant le petit bouton Open et Close. Voilà. Open et Close. Alors, donc, elle peut se fermer également. Et ensuite, on va devoir mettre des piles dedans, des grosses piles. Alors pour l'instant, l'autonomie, je ne la connais pas, puisqu'on n'a pas eu à changer les piles, on l'a reçu récemment. Et en son antre, on a un petit sac en plastique dans lequel on peut mettre des sacs plastiques, des sacs poubelles traditionnels, et pas besoin d'avoir des sacs d'une marque précise. Donc ça, c'est en plastique. Et ce côté-là, c'est de la l'aluminium, sûrement, ou quelque chose comme ça. Et c'est très sensible aux marques de doigts et aux coups. Là, on a reçu une poubelle qui était déjà un peu enfoncée. Voilà. Donc il faut faire attention quand on met un sac, parce qu'à la fin, il ne faut pas trop le remplir, sinon ça se pète et ça se trouve. Voilà, donc une poubelle Kitchen Move très sympathique, mais qui n'est quand même pas un matériel premium de toute grande qualité. Alors un élément quand même critiquable, c'est que toutes ces parties-là, elles sont en plastique. Donc même ça ici, c'est sûrement un mécanisme qui va facilement se casser. Alors pour que ça se ferme et que ça s'ouvre automatiquement, il fallait que ce soit léger. En revanche, le mécanisme ici, on aurait pu espérer quelque chose d'une qualité un peu plus importante. De la même façon ici, c'est aussi du plastique. Donc ce sont des éléments qui potentiellement peuvent facilement se détériorer. Voilà, donc un petit regret quand même là-dessus.